Alors, bon, moi je vais y aller. Je fais un petit appel comme d'habitude. Zoé Rabage. En retard, d'accord. Salim Bahamel, donc il y a aussi. Loïc Bigot. Alexandre Chuzel-Marmot. Corentin Dazi. Tom Doublet. Il y a quoi? Il y a... Si, si. Hop, Non, Salim. vous avez déjà parlé. Pas de soucis. On était au moins Tom Doublet. Oh, il est arrivé, c'est ça, oui. Kylian Duna. Nikan Estefay. Il a retenu aussi. César Gouache. De toute façon, je vais noter plus tard ça. Saïli Manaïef. Ah. Osman Karatas. Vous aviez levé la main en avance. Kevin Machado. Maury Méchin. Jérémy Meurot. Je crois que je n'ai jamais vu le numéro. Léo Montigny. Oui. Artus Mouto. Abdelraouf Mourad. Artus Mouto, il n'est plus dans ce groupe. Ah, ok. Il est en 2B, si je ne dis pas de bêtises. Ah, ouais. Ah, César Gouache. Ok, si. C'est la roche numéro 9. Abdelraouf Mrad, non. Nabil, là, je crois que je l'ai vu, ouais. Thomas Petiot. Il est parti au Canada, il est plus. C'est un des fameux. Et Florentin Cyber qui m'a dit qu'aujourd'hui, il ne pouvait pas venir. Très bien. Bonjour. Alors, je vous ai préparé deux petits trucs. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le fichier Teams. Je vous ai préparé, donc, il y a la feuille du télé suivant. Et surtout, plus important, il y a un petit formulaire de 8 pages. Enfin, 8 pages plus ou moins pleines. Hein. C'est un récapitulatif de tout ce qu'on a vu en télé. C'est encore un truc en plus à lire. Mais bon, c'est moins, on va dire, aride que le cours. Donc, j'en ai imprimé pour ce cours-là. C'est surtout un formulaire de questions avec les mains. Il y aura certaines choses qui vous paraîtront difficilement évidentes, mais je préfère le rappeler depuis le départ. Exactement. Il y a des choses triviales, il y a des choses pas triviales. Pas besoin d'apprendre par cœur, mais si au moins avant l'examen, vous le dites au moins une fois totalement, ce serait pas mal. Ça vous aidera. Et je distribue aussi la feuille du TD5.
aujourd'hui. Ça, ça vient chez vous. Hein. Bah. Bon, bah, pour ceux qui veulent, la prochaine fois, vendredi, donc, ceux qui l'auront lu pour une question, je vous fais une joie. Je vais vous répondre à vos questions si vous en avez. Ok. Donc, ça, c'était pour le TD5 et le petit récapitulatif. On va attaquer donc le TD4. On va le finir. On va le finir. Alors, est-ce qu'il y avait des questions sur la démonstration de la dernière fois qui n'était pas très longue, mais qui pouvait être astucieuse? Non? Bien compris? Si vous voulez, je vais refaire la correction une fois. Parce que c'est une correction assez essentielle. C'est un raisonnement typique. Ce serait bien que vous le reviez. Ah non, oui, j'en ai un. S'il vous plaît. Ah oui. Le pire, c'est ça? Je vais passer, je distribue la feuille 4 en papier. Alors, le télécapien,
L'équipe. Je sais pas si mon but. MDR. Et chez le coiffeur. Il est en ligne, il ne peut pas sortir. Alors, je vais refaire la correction de l'exercice 4. Soit bien clair, parce que c'est quand même une démonstration assez élégante et assez classique, si j'ose dire. Donc, il va énoncer. C'est juste donc une écriture du paragraphe des accroissements finis. Exercice 4. 1. On applique la à la fonction ln sur l'intervalle n plus 1. Ln sur ln plus 1 pour n 3 n appartenant à n étoile et n moins que 1 en égal à f et continue sur n dérivable sur la même chose ouvert. Ah bon, c'est la fonction logarithme. Elle est gentille. Hein. Vérifie toutes ses bonnes propriétés. Elle continue. Et sa dérivée, c'est. Attention. Elle vérifie les conditions. Hein. Je répète, le théorème des accroissements finis, on a des hypothèses à vérifier. Hein, c'est très simple. Notre fonction continue sur un intervalle. Il est dérivable sur ce même intervalle ouvert. Hein, et donc là, par le taf, c dans n plus 1, c'est f n plus 1 f n sur n plus 1 n égale à f prime de c. Un cn dans l'intervalle considéré. Ça, n plus 1 moins n. Divise par 1, donc f de n plus 1 et f de n, et on passe par leur valeur fonction ln
ln n plus 1 moins n, n égale à 1 sur cn. Je vais mettre en cn, la dérivée de ln sur x appliquée en cn, c'est 1 sur cn. C'est-à-dire que ln n plus 1 ln de n plus 1 moins ln de n plus petit que 1 sur n. Que quelqu'un peut me dire pourquoi je suis passé de ça à ça. Et j'avancerai pas tant que quelqu'un ne propose pas au moins une solution. Est-ce qu'on va avoir une chose ? Pourquoi est-ce que je passe d'une égalité ici avec une inégalité là? Parce que on rajoute pas la somme de chaque côté? Pas tout de suite, Thiago. Déjà, je veux comprendre pourquoi on passe de ça à ça. Ok. Pas de souci. Alors, prenez une de ça et une de ça, s'il vous plaît. Et je ne sais pas si vous avez l'énoncé du TDK. Voilà. Zouir, c'est ça? Oui. Ah. Bon. Peut-être un de vos camarades pour vous dire avec la distance nécessaire. Alors, vraiment personne peut me dire pourquoi on passe de l'un à l'autre ? On va tenter au hasard. Ouais. Une idée, Saïd ? Ah oui, ça fait un rapport, oui. Regardez. N tient à N N plus 1. Comment je peux le réécrire, ça? Oui. Merci, Julien. Comment je le réécris? Oui, oui, c'est en. Elle appartient à n, n plus 1 de non compté. Oui. Oui. N. Ah oui. On vous donne des hypothèses, c'est des informations. Hein. CN, il appartient à ça, ça veut dire ça. C'est juste ça. Je sais que vous le savez, c'est juste que là, vous ne faites pas la connexion dans votre esprit. Ça, c'est pas bien. Faire la connexion, c'est automatique. Et CN, il appartient à tel truc. Quand on appartient à l'intervalle, on est compris entre deux trucs. Tout simplement.
Donc ici, ça, je peux le réécrire. Voilà. Ça, c'est à l'inverse. Ça change le sens d'inégalité. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà. Si cette quantité ln de n plus 1 moins ln de n est égale à 1 sur cn, en particulier, elle est plus petite que 1 sur n. Sans mystérieux à personne. Dites-moi oui ou dites-moi non. Manifestez-vous. Il faut me le dire si c'est logique. Vous ne le dites pas, c'est que ça ne savait pas. Moi, s'il y a un souci là-dessous, c'est juste une réécriture. Voilà, on prend une information là-dedans. Le théorème de la croissance finie, il nous dit ça. Il existe un cn dans un intervalle. Ça veut donc dire que son nombre est compris entre deux nombres. Donc, on essaie de voir ce qu'on peut en faire pour la suite. Mathématiques, c'est ça. On rapide des informations. On a des hypothèses, on a quelques inégalités, quelques égalités qui prennent. Donc, si j'ai ça, si j'ai, bon, je vais passer ça. Si je passe de là à là, que 1 sur n, c'est petit que 1 sur n. Alors maintenant, on peut passer à la somme. La somme pour les cas. N. Alors de 1 à T, de ln, n plus 1, moins ln, n, petit, de la somme n, alors de 1 à T, c'est 1 sur n. Hein, j'ai juste rajouté la somme à gauche et à droite. Faire ça, je vous laisse vous convaincre, entre guillemets, si ça c'est vrai, de remplacer n par 1, 2, 3, 4, la somme par la même chose. Là, il y a quelques points. Encore une fois, c'est comme l'histoire là, de 1 sur n et 1 sur n, c'est une réécriture. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement, cette écriture? Voir les choses. On n'écrit pas des symboles mathématiques parce que c'est des incantations magiques, ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ln de n plus 1 moins ln de n en somme? Mais en particulier, qu'est-ce que ça fait si je commence à remplacer n par des vraies valeurs? Ah oui. C'est pas ce que je demande. Je demande ça, entre parenthèses, rho, c'est ln 1 moins ln de 0, plus ln de 2 moins ln de 1, plus ln de 3 moins ln de 2, plus ln de 4 moins ln de 3. C'est ça que ça veut dire. Et on fait ça jusqu'à t. On continue, et à la fin, on aura ln de p moins ln de p moins 1, plus ln de p plus 1 moins ln de p. Et là, on s'en va. Je vous demande juste, quand je vous demande qu'est-ce que ça veut dire, je vous demande quelle est l'opération, qu'est-ce que c'est l'objet. D'accord ? Vous comprenez ? Et ça, qu'est-ce qu'on remarque? Alors là, quelle est la chose qui se produit ici? Ça va être positif, c'est vrai. Et quelle est, si j'ose dire, algorithmiquement, l'opération qui est en train de se produire?
Vous avez un plus LN de 1 ici. Est-ce qu'il y a ailleurs un LN de 1? Il y a quoi, non? Simplifié. LN de 2. Il y en a un autre, un LN de 2 qui est là? LN de 3. Si j'avais continué à écrire, ça aurait été mal. C'est ce qu'on appelle une somme télescopique. Hein? Il va se passer, tous les termes vont se simplifier en fait. Les seuls termes qui ne vont pas se simplifier, c'est ln de p plus 1 et ln de 1. Parce que j'ai fait une erreur, on ne commence pas à ln de 0, on commence à ln de 1. Normalement, le ln de 1 ne se simplifie pas. Ln de 1. Donc ça fait un ln de 3, ln de 2 moins ln de 1, plus ln de 2, bon, plus ln de 3, moins ln de 2, exactement. Donc ln de 2 moins ln de 2, paf, il y a moins ln de 1 qui existe encore, ln de 1 ça fait 0. Lui aussi il ne fait rien. Et donc tout ça, c'est ln de 2. Que plus petit que la somme 1 sur n. Et comment est-ce qu'on arrive à la conclusion de notre question? Si vous regardez l'énoncé, en appliquant le théorème des accroissements finis liés à la fonction ln sur n, n plus 1 pour toutes les valeurs naturelles de n, montrez que la série harmonique somme des 1 sur n diverge vers plus l'infini lorsque p tend vers plus l'infini. C'est qu'on a réussi à l'obtenir. Ça, ça tend vers quoi? On fait tend vers plus l'infini. Et on voit l'argument. Alors, montrer que ça tend vers plus l'infini. C'est un argument très simple. Il faut voir ça de façon visuelle. Vous avez un A, vous avez un B. Avec A plus petit que B. Si A pousse vers la droite infiniment, vous êtes fatalement poussé vers la droite. Et ça, ça tend vers quoi quand on fait tend vers l'infini. Ça, ça tend vers plus l'infini. Donc vous avez quelque chose qui vous pousse vers la sortie plus l'infini. Donc ça, fatalement, ça vous pousse vers plus l'infini. Okay. C'est le théorème des gendarmes. Il n'y en a pas trois, si j'ose dire. Il y a quelque chose qui vous pousse. Simplement. Le gendarme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si vous êtes encadré par deux fonctions qui vous pousse vers un endroit spécifique, au milieu vous êtes poussé. Mais imaginez qu'au lieu d'être poussé vers un endroit spécifique, vous êtes juste poussé à l'infini vers la droite. Il suffit d'en avoir un sur votre gauche. Donc c'est comme ça qu'on le... Ça, ça tend vers plus l'infini par le théorème gendarme, mais en fait, vraiment vers le gendarme. La somme 1 sur n tend vers plus l'infini. D'accord? Il y avait une question 2. Elle est bien intéressante, cette question 2. Est-ce qu'elle est bien intéressante? Ça marche pareil entre P et 2P. Oui, c'est intéressant parce que ça vous fera manipuler les sommes. Donc, par le même procédé, s'il vous plaît,
Est-ce que vous pourriez étudier question 2 étudier limite en P en la fonction infinie la somme des 1 sur n pour n allant de P à 2P. Bon. Ce que j'ai écrit au tableau, une partie qu'on n'a pas besoin de changer, on peut recopier mot à mot. Est-ce que vous voyez jusqu'à où je dois m'arrêter? Ouais, et même jusqu'à la première ligne en haut. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, parce qu'ils disent en procédant de la même façon, bah, il y a n appartenant à l'étoile, on applique le taf à la fonction ln sur l'intervalle n. La même façon. F est continu sur une dérivable sur Q. Par le taf qu'on a ça. Pareil. Strictement pareil. Jusque-là, c'est pareil. Tout simplement, est-ce que quelqu'un. Me dire quoi, qu'est-ce qui change? Voilà, c'est la seule chose qui va changer. Donc j'efface ce qu'il y a après.
légèrement plus sûr. P. 2P. Encore une fois, intuitivement, qu'est-ce que représente cette somme? Ouais. Ouais. Donc ça fera quoi? Alors, ça sera plutôt. Alors, je commence. Pour n égal à p, ln de p plus 1 moins ln de p. Comme ça. Alors là justement, je vous demande de ne pas faire le symbole somme et de voir qu'est-ce qu'il veut dire. Plus ln de p plus 2, on regarde le fonctionnement de comment ça marche. En gros. Plus ln de p plus 3, moins ln de p plus 2, parce que si je ne me suis pas trouvé, je vais bien penser le truc. Plus le truc. Plus. Donc j'arrive jusqu'au bout. Donc là, je prends n est égal à 2p moins 1. J'aurai ln 2p moins ln 2p moins 1. Et j'arrive finalement au bon truc. Plus ln 2p plus 1 moins ln de 2p. Donc, ça va être un jeu de massacre. Ln de p plus 1 est simplifié avec qui? Ln de p plus 2 est simplifié avec qui? Ln de p plus 3 est simplifié avec quelque chose qui n'est pas écrit. 10. J'arrive ici de 2p moins 1. Pas écrit, il est dans trois petits points, mais simple aussi. Ln de 2p, ln de 2p. D'accord ? Moi, ce qui va me rester à la fin, c'est ces deux termes. Ln de 2p plus 1 moins ln de 2p. Okay. Donc, j'aurais A égale à ln de p plus 1 moins ln de p. Que la somme p Donc là, on serait tenté de dire on va faire tendre ça, le P, donc le P vers l'infini. Qu'est-ce qui se passe à gauche? Que quelqu'un voit le souci. Ln de 2p moins 1, ça ne fait pas. Ln de p. Plus infini, moins plus infini. Est-ce que quelqu'un voit une solution avec une propriété du logarithme qui nous permettrait de comprendre?
quelqu'un voit la propriété que j'ai utilisée. Propriété élémentaire du logarithme. Qu'est-ce qu'on sait de ln de a moins ln de b? Propriété d'exponentielle logarithme, vraiment connaissez-les par cœur. Hein. Vraiment. Donc, ça c'est bien. Ça, ça fait référence à ce qu'on a fait, par exemple, dans le TD1. Quelle est la limite quand P convergent à l'infini, ln de P convergent à P? C'est quoi la limite de ça? Une composition. Une composition. On a ln de quelque chose. Hein? On a ln d'un grand x, si j'ose l'appeler. Aussi. Quand p tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe avec grand x? Alors, pas exactement, parce que vous aurez plus l'infini en haut et plus l'infini en bas. Bien déterminé. Sauf que, comme d'habitude, même astuce, toujours pas d'astuce. C'est vrai que cet exercice, c'est un peu un faux pourri de ce qu'on a fait dans les TD1 et 3. Si je veux la limite déjà sans le LR. Sans le LR. Limite de P plus 1 sur P. La limite. En P est en R. Je factorise par P en haut et en bas. P. On avait fait au TD1. Ça, ça tend vers. Ça, c'est 1. En P tend vers plus l'infini, on a 2 sur l'infini, ça fait 0. Et il nous reste juste le 1. Donc, quelle est la limite ln de grand X quand grand X tend vers 1, 0. Donc, ça, ça tend vers plus l'infini, oui, tend vers. Donc là, on est un peu bien embêté. C'est que, ben, on n'a pas vraiment d'indication sur ça. Ça nous dit juste à gauche, quand ça tend vers l'infini, ouais, d'accord, on a quelque chose là, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait juste que ce ne sera pas zéro. C'est pas en zéro. Donc, dans l'idée, il faudrait trouver un truc à droite qui encadre ça et qui tendrait aussi vers zéro. Pas d'indication. On va juste remarquer un truc déjà. Okay. La somme de ça, quand P tend vers plus l'infini, ça va être quelque chose de plus en plus petit. Car ici, on aura, regardez, si j'ai 1 sur P, la somme de P N. P de P est 1 sur N. Vous êtes d'accord que, par exemple, je prends P est égal à 2. P est à 2, donc je vais avoir N de 2, 4. Ça va être 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart. Et ça, ça fait
OK. Si je prends 200, 400. Okay. Là, j'aurais beaucoup plus de termes. Et regardez, ça va être des 1 sur 200. Ce qui vient jusqu'à 1 sur 400. Des tout petits chiffres. Minuscules. Et leur somme, ça ne sera certainement pas 1,08. Donc en fait, la somme, j'avoue, je n'ai pas l'indication, je ne me rappelle pas comment on pourrait le majorer, mais il y a certainement un truc qu'on peut majorer à droite, qui tendrait vers 0. Ça, dans ma tête, ça tendra vers 0. En fait, cette quantité, voilà, elle est de plus en plus petite avec le temps. Pourquoi est-ce que c'est vrai? C'est que tout simplement, quand on avait la première, le premier exemple, ça allait être allant de 1 à P. On garde des tout. Et là, on ne garde pas tout. On prend quelque chose qui va sur l'axe. Là, vous avez là. Et après, vous allez avoir cet écart-là. Cet écart-là, il faut plus long. Bon. On va traiter exercice 5. Je vais essayer de réfléchir un peu à l'exercice.
si ça peut vous rassurer, la partie qu'on va faire sur l'algèbre, vous les informaticiens, vous la préférez en général, sera un peu moins difficile que toutes ces histoires avec ces fonctions. Bientôt commencer l'algèbre. Je vais corriger l'exercice tout seul. Et oui, je pars vraiment du principe que, car j'ai gardé votre cours, le théorème de Rolle, certains d'entre vous l'ont lu et s'en souviennent, mais ça ne vous dit rien. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas eu de dessin. C'est dommage. Je vais vous dessiner quelque chose avec le théorème de Rolle. D'accord ? Le théorème de Rolle, c'est un cas particulier d'AF. Je vais vous montrer très rapidement pourquoi c'est un cas particulier. Le DAF, il dit F continue sur AB plus F dérivable sur AB ouvert. Il existe un C tel que F de B moins F de A sur B moins A est égal à F' de C. Ok ? Là, je pense qu'après l'avoir répété plein de fois, vous connaissez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si f de b est égal à f de a? Qu'est-ce qui nous a dit? F de c vaudra 0. Exactement. Si f de a est égal à f de b, alors, f' de c est égal à 0. Très bien. Quand une dérivée s'annule en un point, qu'est-ce que ça veut dire sur un dessin? Ça veut dire quoi tout simplement sur un dessin, une dérivée qui s'annule?
graphiquement, la dérivée en un, une fonction en un point, c'est quoi? Phrase magique que vous connaissez depuis le lycée. En fait. Nombre dérivé d'une fonction en un point, c'est la pente de la tangente à ce point. Si votre pente, elle est de 0. Là, vous avez une tangente horizontale. Horizontale à la courbe. Et ça, je pense que ça va vous plaire. Si on le fait juste par le dessin, regarde. Ok, là, je le fais. Je vais supposer f de a égale f de b égale à 0. Je peux le prendre pour n'importe quel nombre. Hein. Juste pour que ça coïncide avec l'axe des abscisses. Juste ça. Donc, je vais dire que ça, c'est f de a. Et ça, c'est f de b. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que ma fonction elle soit continue sur ab. Donc, tout simplement, entre f de a et f de b, il faut que je dessine quelque chose de continu. Okay. Donc, graphiquement, si je pars de là, ah, mon stylo, il fait n'importe quoi. Complètement au hasard. J'ai signé un truc, un chemin, qui relie f de a et f de b. Est-ce que vous voyez sur mon dessin des points de la tangente qui est horizontale? Au min et au max, locaux. Gros, là j'en ai pas d'autres. Là j'en ai là, 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 en gros, avoir une dérivée nulle, c'est qu'à un moment, je change de sens. Soit j'étais décroissant, je deviens décroissant. Soit j'étais décroissant et je deviens croissant. Je vais essayer. Le destin sera plus fort que moi. Je vais essayer. Je ne veux pas changer de sens. Ah non, j'ai déjà changé. C'est de ne pas changer, et pourtant j'essaie de me rapprocher de f de b. Je suis obligé d'avoir f de a égale f de b, je l'ai posé au départ. Donc il y a un moment, même en arrivant tout au bout, je vais être obligé de faire. Pas le choix. J'ai pas le choix, je suis obligé de faire f de a égale f de b. Donc au bout d'un moment, je suis quand même obligé de changer. J'étais croissant, je suis obligé de passer à décroissant. Donc il y a obligatoirement un moment. Je vais passer à f prime c égale à 0. Et tout ça parce que je suis obligé d'être continu. Je ne pouvais pas lever le stylo. Je n'avais pas le choix. Si c'était discontinu, ah, si c'était discontinu, ah, je peux faire ce que je veux. Ah, f de a, f de b. B. Tout ça. Et là, arrivé là, oh, la dérivée est positive tout le temps. Mais j'ai triché. Parce que j'ai levé le stylo. Donc, le théorème de Rolle, c'est ça. Le théorème de Rolle, c'est si j'ai une contrainte qui me force à être égale au debout et que je veux rester continu, je suis obligé à un moment de changer de sens de variation. Je suis obligé d'avoir une dérivée nulle à un moment. Et donc, en particulier, c'est un cas particulier, le théorème des variations. Si f est continu et dérivable, il existe un nom entre a et b tel que sa dérivée sera nulle. Parce que j'ai la contrainte f de b égale f de a. Je pense que c'est compliqué. Donc, je veux résoudre l'exercice. Je vous invite fortement à relire, même si c'est dans le cours théorème de Rolle. Qu'est-ce qu'il nous dit l'exercice? Il nous dit montrer que sur 0 plus l'infini,
h de x. La phase d'exercice se pose. On sera de l'algèbre. H de x égale ln 1 plus x 3 exposé au carré. On va montrer qu'il existe un point où sa dérivée sera nulle. Donc, il existe c appartenant à 0 plus infini. H et le C égale à 0. Je vais donner la solution tout de suite. Il y a une petite arnaque. C'est que dans la définition du théorème des rôles, dans le théorème de la partie, mon A et mon B, ça peut être plus ou moins l'infini. C'est pas obligatoirement des nombres. Après, si je dis en gros que B c'est plus ou moins l'infini, je n'écris pas f de B ou f de A. J'écris limite en gna 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 tendant vers plus ou moins l'infini, moins f de A est égal à ça. Version un peu changée. Ce que je vais vous faire remarquer, je vais vous tracer juste la fonction, hein, la fonction h. 0 plus infini. Il y a un problème. F de 0, H de 0, ln de 1 plus 0, ça fait ln de 1. Ln de 1, ça fait 0 fois l'exponentielle 0, 1. 0 fois 1, ça fait 0. Et on a bien F de 0. Et on a que quand on tend à plus infini, on tend vers 0. Je vais vous déployer. Il y a un temps où ça va s'annuler la dérivée parce qu'il sort horizontal. Hein. Et donc, tout simplement, on calcule la valeur de la limite de h quand x tend à l'infini, ça va être 0. Et vous allez avoir ce tableau des variations. En gros, c'est juste faire un tableau des variations. Et à un moment, ça fait croissant puis décroissant, fatalement, vous êtes continu. Il va y avoir un moment où vous dérivez à cette nulle. Qui pourrait directement. En gros, ils veulent qu'on fasse sans dériver la fonction, au final. Et on pourrait directement déterminer la dérivée de ça. Je vais vous laisser avec les fonctions. Je vais vous laisser avec les fonctions. On prend une pause de 5 minutes et puis après on commencera des choses plus rigolotes sur les ensembles.
Partir. Partir doucement. Et là, comme je vous dis, c'est quelque chose que les informaticiens en général ils préfèrent. Ensemble. Ça, c'est cool. Je sais que je vais faire un truc. Ce qu'on va faire dans cette idée, c'est, je pense, de toute façon, aujourd'hui, on aura le temps de voir les deux premiers. Et par exemple, le premier est sympa parce que, bon, en gros, on va s'amuser un peu, c'est un vrai ou faux. On va s'amuser, on fera un vote à main levée, on verra qui a raison à la fin. Okay. Abstention interne. Je veux des avis. Ah oui, question bête. Si je vous dis B bar, c'est quoi pour vous? C'est le complémentaire. Parce que dans l'exercice 2, c'est avec des C. Je n'ai pas fait attention. La barre, c'est juste la même chose que le C. Hein, c'est complémentaire. Je vous précise. Appartient à. Ah oui, sur le chat, vous pouvez jouer aussi. Hein. Et vous pouvez envoyer au 6-13-13 le. Pour le prix d'un appel sur PC. Alors. Vous me devez de l'argent là. Alors.
Première question. C'est ça. Première question. G appartient à A inter B bar. Vous avez une minute pour y réfléchir. Ça, ça vous amuse, hein? Alors, vote. Je pense que c'est vrai, levez la main. Bonne. Faux. Ouais. Question 2. G appartient à bar, inter B bar. Enfin, vous êtes chaud, là. Ouais. Ouais. Ok. Allez, encore 50 secondes. G appartient à A bar, union B bar. Alors, ouais. Alors, faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oh. 3, 4, 5. Pardon, on va en avoir 6. Mal compté. Tout le reste, vous aviez voté vrai ? J'ai voté mal compté. 8 et 5. Yeah. Ah, déjà, c'est plus partagé. J'en remarque une belle répartition. Bon, c'était localisé géographiquement, les vrais et les faux. Ça. Alors, question 4. F appartient à C. Alors, le anti-slash, ça veut dire privé de A. Okay. C sans A. 3, 2, 1, go.
Ok, Florentin, on verra si vous avez raison à la fin. Zéro. Qui pense vrai? Personne? Qui pense faux? Question 5. A appartient à ABBA, InterBEBA, InterSEBA. Pense vrai. Quelqu'un qui a mis la main ? Pense faux. Bien. Question 6. Le duo HEB appartient à Abar InterBEBA. 50 secondes, c'est une minute, c'est parti. Qui pense vrai? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Effectivement, je vais en avoir 4. Qui est contre? 1, 2, 3. Vous aviez voté pour vous? Je ne suis pas compté. 3. Très bien. Et dernière question. A et F appartiennent à A union C. Oh. Alors, c'est pas une petite vu que je note le nombre de vrais et faux, mais je sais pas qui est qui. Ah. Arrêtez là. Ouais. Qui n'est pas d'accord. Pas d'accord. Et vous, me semble plus, vous n'êtes pas d'accord. C'est vrai. D'accord, bref. 12, 1. Très bien. Ding, ding, ding. Correction. Correction. Alors, je l'ai refait sur le tableau ici. C'est encore plus moche, hein, parce que je n'ai pas de couleur. Donc, première question. G appartient à A InterBEBA. Appartenir à quelque chose, inter quelque chose, c'est appartenir à l'un et l'autre. Deux. Donc déjà, G appartient-il à A? G
objet là. Est-ce qu'il appartient à A? Okay. Je n'ai pas besoin de regarder plus loin. Okay. Même pas besoin. Ah, G n'appartient pas à A, donc ça marche. G appartient à bar inter des bar. Il appartient à A bar. Pardon. Il est dans A bar. Est-ce qu'il appartient à B bar? Parce qu'il est dans B. Et donc, ça dit un raté. Hein. Alors, G appartient-il à A bar union des bars? A bar union des bars, quand on a un ensemble union un autre, ça veut dire qu'on est l'un dans l'autre. Donc, est-ce que G est dans A bar? Est-ce qu'il est dans B bar? Ça marche? Qu'il soit dans A bar, soit dans B bar. C'est vrai. Il est dans A bar ou dans B bar. Il est dans l'un des deux déjà. Le coup, il dit juste est-ce qu'on est dans l'un ou dans l'autre dans les deux. Si on est que dans un seul, ça va. Ok. Ensuite, F appartient-il à C privé de A? F, là, on a vachement faux. Que A dans C privé de A, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans A. Or, F est en plein dans A. Désolé Florentin, c'était faux. Check. Alors, A, est-ce que A appartient à A bar, inter B bar, inter C? Ah, il est là. Est-ce qu'il appartient à A bar déjà? Non, déjà, je n'ai même pas besoin de chercher plus loin. Il appartient à A, donc il appartient pas à A bar. Maintenant, le couple. Ah, ça, c'est subtil. Le couple HB, est-ce qu'il est A bar, inter B? Est-ce qu'il est dans A bar? Est-ce qu'il est dans A bar? Alors, on prend le point, c'est point H. Là, on prend le point H. Le point H, il est là. C'est sûr. Est-ce qu'il est dans A bar? Et il est dans B bar aussi. Il n'y a aucun des deux. Ça va. Est-ce que B, il est dans A bar? Oui, parce qu'il est en dehors de tout. Et en particulier, en dehors de A. De A. Il est en dehors de B, il est en dehors de tout, donc il est en particulier en dehors de A. H et B. Et pour le dernier, il y avait un solitaire. AF appartient-il à A union C? A, est-ce qu'il appartient à A union C? Il est dans A. Il est dans A ou C? Il est dans A. F, est-ce qu'il est dans A union C? Ah, il est dans A et C. Lui, il est dans A. A ou C. Quand on est, je rappelle, en mathématiques, un ou, il est forcément inclusif. Quand on dit machin ou truc, soit machin, soit truc, soit les deux. Donc, en particulier, le F, qui est dans les deux, c'est un ou. Okay. C'est un ou. Très bien. Un exercice introductif assez fait. Maintenant, un peu plus poussé, on a les lois de De Morgan. Pas une erreur de frappe, hein, ce n'est pas les lois de De Morgan, c'est les lois de De Morgan. Le type s'appelle De Morgan. Donc, on reprend l'exercice 2. J'en montre ceci. Ah, on va faire. Union C égale à A union C inter B. Je vais s'y réfléchir un petit peu. Et ici, A, B et C sont trois parties d'un même. Ici, j'ai oublié de dessiner. Hein, ça, c'est dans un grand truc.
Est-ce que quelqu'un y est pendant? Un raisonnement là. Non, pas vraiment. Vous m'entendez? Allô? Allô le chat? Oui, oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, oui, monsieur, on vous entend. Allô? Allô? Je crois que vous ne nous entendez plus. Oui. Wow. Ouais, ça bug un peu, attendez. Ouais, ça va être mieux là. Dites un truc pour voir Yago ou Julien. Oui, allô. Ouais, ouais, ok, ça marche. Ouais. Parfait. Salim Bahamed. Oui. Oui, là, bon, bon, ça alors, est-ce que quelqu'un voit comment on commence? Double. Double Martini. Double infusion. Ok, on raisonne par double inclusion. Alors, ce que je vous dis, ouvrez bien les esgourdes. Hein. Ce que je vous dis, ça fonctionne tout le temps. Lorsqu'on doit montrer l'égalité entre deux ensembles, on raisonne par double inclusion. Comment ça fonctionne? Élément X quelconque dans l'ensemble de gauche et je montre qu'il appartient à l'ensemble de droite et vice versa. Ok ? Là, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce genre de raisonnement. Donc, pour montrer ça, raisonnons par double inclusion. Hein, chose très simple. Si A est inclus dans B et B est inclus dans A, alors A est égal à B. C'est ça la double inclusion. Et pour montrer que quelque chose est inclus dans un autre, soit X appartenant à A, on montre que X appartient à B. Ok ? Pas sorcier. C'est la seule façon vraiment de le faire. Donc, on va le faire. Soit X appartenant à A union B, inter B, pardon, union C. Qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir à ça, s'il vous plaît? Appartenir à A, inter B ou appartenir à C? Très bien, l'un ou l'autre. Donc, si on appartient à l'un ou l'autre, ou les deux, et là on va faire par un raisonnement en séparant les cas. Soit, donc là, attention, hein. Là le soit c'est juste je le pose, bam, que la lumière soit. Hein. Là je vais dire un soit au sens de ou bien. Ok? Soit X appartient à A inter B. Ok. Donc, X appartient à A et X appartient à B. Donc, X appartient à A union C et X appartient à B union C. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si X appartient à A, il appartient donc à A union C. Vous êtes d'accord? Logique. Si vous êtes dans A, vous êtes dans A ou l'autre, en particulier A. Et en plus, c'est vrai pour B, donc vous appartenez aux deux. Donc, X appartient à A union C et B union C.
Parce que le raisonnement était clair. OK ? Donc, ça, c'était le premier cas. Donc, je vais le faire comme ça, je vais le faire comme ça. Soit X appartient à C, hein, parce que là, j'ai pris le cas où X appartenait à inter B. Là, je prends le cas où c'est juste X appartient à C. Si X appartient à C, alors X appartient à C union B, hein, C union B, B union C, c'est la même chose, hein, et X appartient à C union A. Vous êtes d'accord? Il appartient à C, donc il appartiendra à tous les C union quelque chose. OK? Donc, encore une fois, X appartient à A union C inter B union C. Dans les deux cas, on obtient la même conclusion, X appartient à A union C inter B union C. OK? Ça, c'était le premier sens. Là, je le symbolise par ce symbole. Raisonnement par double inclusion. Voilà, c'est l'inclusion de gauche vers droite. Maintenant, je vais faire l'inclusion de droite vers gauche. Droite vers gauche. Soit X appartenant à A union C inter B union C. OK? Qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir à ça, s'il vous plaît? C'est de la gymnastique, hein, c'est des phrases automatiques, si j'ose dire. Ouais. C'est appartenir à A union C et à B union C. Et à B union C. D'où X appartient à union C et X appartient à B union C. Donc, on va le séparer en deux cas, encore une fois. Soit X appartient à C. D'accord? Là, je l'ai pris là-dedans. Donc, ça veut dire que dans les deux cas, A union C et B union C, je choisis qu'il appartient à C. OK? Ou bien A inclut B, inter P. Pardon, j'ai pas compris. X appartient à C ou X appartient à A inter P. Oui, mais je vais faire, mais. J'y arrive. Donc, soit X appartient à C à chaque fois. Donc, alors c'est immédiat plutôt là. Si soit X appartient à C et donc X appartient à A inter B union C. Ah, c'est ça que vous voulez dire? Donc, c'était l'autre cas peut-être. Oui, c'est ça. OK. OK, c'est vrai. C'est vrai. Si vous appartenez à C, donc vous appartenez à C union n'importe quoi. D'accord? Je répète, hein. Si vous avez un nombre qui appartient à un ensemble, il appartiendra à cet ensemble union n'importe quoi. Vu que appartenir à un ensemble union quelque chose, c'est être soit l'un, soit l'autre. En particulier, vous êtes déjà dans l'ensemble qui vous intéresse. Donc soit c'est fait. OK. Soit X n'appartient pas à C. On sait qu'il y a ça. D'accord? Donc, dans la première partie, si vous n'appartenez pas à C, mais que vous appartenez à A union C, vous appartenez à quoi? Vous appartenez à A. Alors, X appartient à A. Et si vous n'appartenez pas à C, mais que vous appartenez à B union C, vous appartenez à B. Et X appartient à B. Donc, X appartient à A inter B. Donc, X appartient à A inter B union C.
D'accord. Vous êtes parti de la gauche, vous êtes arrivé à droite. Vous êtes parti de la droite, vous êtes arrivé à gauche. Conclusion, les deux ensembles sont exactement égaux. Partir de gauche, de droite. De droite ? Ah ben oui, il faut faire les deux. On ne peut jamais se contenter d'un seul. Il faut faire les deux. Ok. Donc le deuxième est beaucoup plus simple. Zoé, on vous a mis le tableau. Le deuxième est très simple. Vous allez voir, c'est le même raisonnement, mais il y aura moins de complexité. Là, vous allez y arriver très facilement. Vous allez y arriver très facilement. Le 2, c'est montrer que le... As-tu pas compris le... Ah, quoi ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? J'ai pas compris qu'on... Ça, c'est la notation complémentaire. Est-ce que vous voyez ce que ça représente ? C'est pas avoir. Ok. Si vous préférez avoir, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous préférez les barres, je peux l'écrire comme ça. C'est A bar, bas. Ok ? C'est A, oui. Il faut le montrer. Voilà. Donc, il n'y a pas de gel, mais je n'ai pas touché à ce stylo. Donc, si vous voulez le prendre, vous pouvez le prendre, allez-y. Donc, montrez-moi que ça, c'est A. Donc, si vous avez compris le premier raisonnement, vous le réappliquez. Donc, c'est automatique. C'est beaucoup plus simple, c'est infiniment plus simple. C'est automatique. En fait, le premier truc qu'il y a à écrire, c'est ce petit symbole-là. Limite, écrivez-moi ça. Voilà. Donc ça veut dire soit x... Non, je vous le dis parce qu'il n'y a pas à réfléchir. Soit x appartenant à a bar bar. Donc, on part de la gauche. Soit x appartenant à a bar bar. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, ce qui est perturbant, c'est qu'il y en a deux. Mais dans l'absolu, si je vous disais soit x appartenant à a bar, qu'est-ce que ça voudrait dire juste ? C'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à A. Exactement. Donc là, on l'entend en français, ça n'appartient pas à n'appartient pas à A. Mais ce que ça veut dire donc, c'est que si on l'écrit, ça veut dire que X n'appartient pas à A bar. D'accord. Et ça, par définition, X n'appartient pas à A bar. Qu'il appartient à A. Oui. Ouais, A bar de base, c'est A. Oui, mais ça se prouve. Ça a l'air débile comme ça, mais ça se prouve. Implication. Pas équivalent, s'il vous plaît. En fait, c'est... Bon, c'est équivalent, oui, d'accord. Okay. J'accepte. C'est-à-dire que là, pour trouver ça, il faut écrire X oui. N'appartient pas à A bar. Oui. Il faut que vous fassiez ce genre de choses. Donc, c'est... Donc, donc, ça marche. Donc, vous appartenez à A. Maintenant, faire dans l'autre sens. Voilà, on écrit le petit symbole dans l'autre sens. Soit X appartenant à A. Oui, mais c'est pratique quand même. X appartient à A. C'est donc... la même chose. Ouais, donc X n'appartient pas à bar, et donc X appartient à bar bar. Vous l'avez dit, c'était immédiat. Alors, oui, c'est long, oui, ça a l'air inutile, mais en fait, si vous êtes capable de le faire dans le cas le plus simple qui est celui-ci, vous serez capable de le faire dans un cas plus compliqué. Voilà. Moi, ça me va. C'est tout bête, hein. Soit vous restez pour la question 3 qui offre un vrai challenge, soit vous partez. Vous choisissez. Du challenge. Change. On lui change, Zoé. Ouais, pourquoi pas. Un vrai challenge. Allez, c'est parti du challenge. Alors, vous ne pouvez pas écrire là parce que sinon la caméra ne voit pas. J'ai pas encore noté ça. Je peux juste prendre en photo. Ah oui, vas-y. Je vais pas penser. Prenez en photo. Quand même. Moi, je peux le faire. Vous voulez faire la question 3 ? Ah, si, oui. Ouais. Okay. Je peux essayer, Allez-y. Vous pardonnerez, il n'y a pas de gel, donc bon, là, on s'en fout.
J'espère que personne n'aura le Covid. Hein ? Comment ? J'espère que personne n'aura le Covid. Ah ouais. Parce que bon, là, normalement, c'est sortir, aller prendre un petit peu de gel et tout. Exceptionnellement, voilà, tant pis. Je le fais là ? Ouais, ouais, ici. Ouais. Parce que sinon, la caméra ne voit pas. Raisonnement par de même plus. Petite anecdote en plus, est-ce que vous pouvez faire après cette marque? Après cette marque, si je ne le vois pas. Il y a du chaud, c'est bien. Ah, je ne sais pas. C'est du challenge. Le petit signe, je veux dire quoi déjà? Complémentaire, c'est le bar en fait. Ah oui, ok. C'est une autre façon de noter, parce que je n'ai pas fait attention, je n'ai pas unifié les notations, ce qui est un défaut quand on prépare une feuille. Donc c'est la même chose que faire ça. Oui, vous pouvez mettre des barres hein, si vous voulez. Ok, ça va plus simple. Une barre partout. Voilà. Alors. Encore une fois, automatisme. Soit X appartenant au truc du groupe. En fait, ça y est, si vous voulez, on pourrait trouver une autre façon d'écrire. En gros, en maths, on va trouver une autre façon d'écrire soit X appartenant au lien. Quand je vous dis qu'il y a des automatismes, c'est que ça, c'est la façon la plus claire qui n'aura aucune information et qui prend moins de temps à écrire. Donc, soit X appartenant à un interbar, point, bim. Ok. Donc maintenant, il faut en déduire des choses quand on a posé ça. Donc, je peux en déduire que X n'appartient pas à un interbar. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. Bah, on pourrait presque conclure automatiquement, alors X n'appartient. Alors, le truc, c'est que si vous l'écrivez en français, ce serait X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Ah, mais il n'y a pas une propriété qui dit que ça, c'est ça. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un truc comme ça. Alors que A inter B, c'est en fait, A barre. Quand on change le signe là, on met des barres. Non. Non, ça marche avec le complémentaire, mais pas avec le truc sans complémentaire. Mais ça, vous l'avez certainement déjà vu dans le cours, parce qu'en fait, c'est une loi, hein, ça, c'est la loi de Morgan, c'est un résultat connu, c'est juste que là, on le démonte. Mais c'est un résultat connu, effectivement. Ah oui, ok. Donc, du coup, voilà, je ne sais pas. Alors, juste, je vais vous aider pour la ligne suivante. Écrivez-moi, alors, X appartient à A, et en toutes lettres, vous m'écrivez, et X n'appartient pas à B. Alors, X appartient à A. N'appartient pas à A. Ah oui, ok. Et X n'appartient pas à B. Juste le réécrire avec les lettres. Le mot. Bah, la ligne suivante. Oui, la ligne suivante. Alors. X n'appartient pas à A. Et X n'appartient pas à B. Ok. Ensuite, mais là, on peut dire que X appartient à avoir et X appartient à perdre. Oui, mais c'est bon. Là, c'est bon. Tu parles c'est un ou moi. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas écrire donc X appartient à avoir ou Neva? Non, c'est pas ça. Le truc, c'est que, en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, le truc, c'est qu'en gros, si vous n'appartenez pas à un, ni à l'un ni à l'autre, ouais, c'est qu'en fait, en particulier, vous n'appartenez pas à l'un des deux au moins. En fait, après avoir écrit la phrase « alors X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B », alors X n'appartient pas à A.
Si vous appartenez à aucun des deux, oui. Attendez, je suis un bêtise, je crois. Quand c'est inter, c'est quand c'est les deux. Oui. Ouais, c'est ça. Une bêtise. Il appartient, n'appartient pas à un terme. Ouais, donc, c'est vrai, en fait, je vous ai dit. Je vous ai dit écrire une bêtise. La phrase est terminée, en fait, c'est alors X n'appartient pas à A. X n'appartient pas à B. En fait, si vous n'appartenez pas au terme, parce que si vous n'êtes deux à la fois, vous seriez dans un. Donc là, ou X appartient pas à A, ou X appartient pas à B. Donc en fait, là, il faut vous effacer ce B, vous mettez un cours. Là, c'est un terme. Hein. Voilà. On peut le voir. Regardez, il y a toujours une astuce avec les dessins. Hein. Quand vous avez le logique ensembliste, vous faites des patates. Vous n'appartenez pas là. Donc, soit vous êtes là, soit vous êtes là, soit vous êtes. Mmh. Oui, donc. Ou alors vous n'appartenez pas à B, parce que vous appartenez que à A. Okay. Soit vous appartenez carrément à A. Regardez. Soit. Là, c'est A, là, c'est B. Soit X n'appartient pas à A parce que je suis là, donc je suis que dans B. Oui. Mais en particulier, je ne suis pas dans A. Soit je suis là, et donc j'appartiens pas à B, mais parce que j'appartiens que à A. Soit je suis carrément dehors. Vous voyez, parce que là, je suis, s'imagine un plus grand truc, E. Le complémentaire de A inter B, c'est tout sauf ça. Donc on peut être soit là-dedans, soit carrément dehors de tout ça. Ok. C'est... Donc en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas une, en fait, il y a pas une démonstration plus évidente que ça. En gros, c'est que de la logique. Si vous n'appartenez pas à l'intersection des deux, c'est que vous êtes soit que dans l'un, soit que dans l'autre, soit pas dans les deux. Donc vous êtes ou pas dans A ou pas dans B, ou les deux. En fait, on pourrait mettre ou les deux. Okay. Et donc, conclusion, X n'appartient pas à A ou n'appartient pas à B, c'est qu'il appartient à A bar union B bar. C'est l'écriture. Pour justifier un truc comme ça, alors, c'est ça, on peut juste faire un dessin et le montrer. Si vous faites juste un dessin, vous aurez que la moitié des points, parce qu'il faut l'écrire en maths aussi. Ok. Mais déjà, la moitié des points, peut-être pas la moitié. Peut-être un tiers. Allez, peut-être un tiers. Si je veux dessiner. Je sais pas, mais parce que. Si vous faites le dessin et que je vois que le dessin est bien, je me dis, ah, c'est bon, il a compris l'idée, mais il faut l'écrire ensuite. Ouais, c'est simple. Hein. Ouais, donc X appartient à barre, mais oui. Voilà. C'est ça. Et donc, si vous m'effacez mon dessin et que vous me faites le plus long dans l'autre sens, donc, soit X appartient à barre, mais le barre. Il quelle heure ? Oh, on prend ça, on finira le 4 après. Soit X appartient à barre et en bas. Donc soit X appartient pas à barre. En fait, vous pouvez carrément réécrire à l'envers. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. Soit donc, alors X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. X ne peut pas appartenir à l'intersection des deux, parce que sinon, c'est une contradiction. Alors X n'appartient pas à bar inter B. N'appartient pas à inter B. N'appartient pas. Donc X appartient à A inter B bar. Ok. Moi ça va. La démonstration est claire. C'est pas la démonstration la plus compliquée du siècle, mais bon, il faut l'écrire comme ça.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, au moins avant l'examen, il faut au moins l'avoir un peu appris. Enfin, au moins là, vous l'avoir regardé. Quoi, là. Ça vous aidera pour l'examen, c'est sûr. Non, la petite feuille, là, comme ça. Ouais, ça vous aidera, c'est sûr. Pas être dans l'intersection des deux. Parce que si vous étiez dans l'intersection des deux, là vous seriez. Oh, ouais. Voilà, vous,